les gars. C'est vrai qu'on est trois, mais on est plus de membres que ça. Tu sais, en premier, on est comme trois têtes, là. Trois têtes d'Ag Podcast, mais tu sais, il y a d'autres. Hein. C'est comme genre, il y a l'épaule à Stéphane, tu sais, qui est un membre important. C'est ça qui permet de relier son bras qui joue la guitare. Okay. Il y a la main à Nicolas. C'est la main qui nous pointe quand on est perdu dans le coin de Trois-Rivières. Puis il nous dit, c'est par là chez nous. Puis c'est aussi la main qui fait signe que non quand on va trop loin. Oh non, tu vois? Ouais, hein? Puis il y a plein d'autres membres de même, le genou à Nick aussi, que en show, je me fie tout le temps sur ce genou-là pour quand je perds le beat, là, c'est comme il bat du genou. Okay. Puis c'est ça. Fait que plein de membres de même, il y en a d'autres. Il y a des os, des dents, puis des... Stéphane, tu peux aussi me présenter les membres de Joël? En tout cas, pour ceux que tu connais. On va faire visiter c'est à la fois notre local, c'est aussi là où on vit, c'est là où on mange, où on dort, puis des fois on travaille, puis des fois aussi on entrepose du stock. Là. Je vais essayer vos pieds, s'il vous plaît. On n'est pas dans une niche. Nous, on a tout déménagé nos affaires dans le salon, fait 4,5 tourner dans notre cuisine. Ça payait bien quand même, là? Mais, ouais, ça payait bien, mais on... C'est tout brisé. Hein? Alors, Stéphane, c'est quoi un ciel de mayonnaise? Alors, allons au frigo. Un ciel de rack à glace, aussi. Fait qu'en fait, c'est ça, l'idée, c'est juste de prendre, tu sais, ça pourrait être un ciel de cafetière aussi, un ciel de xylophone sur le poêle. Faut juste s'inspirer de ce qu'il y a autour, un ciel de poivrière, un ciel de bouquet. C'est ça. Ça dépend ce que tu as envie, de quelle couleur tu as envie que soit le ciel, puis de quelle texture. Mais regarde la vue dehors, par contre. Ouais. C'est qui habite là, en face? C'est les d'autres bandes, là. Je pense que c'est bandes de garage. C'est bandes de garage. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de... Fait qu'on se retrouve dans votre salon, en fait. Oui, c'est ici qu'on pratique, c'est ici qu'on travaille, surtout. C'est vraiment l'épicentre, je te dirais, de toute notre œuvre. Bon, c'est sûr que, première vue, ça a l'air d'un centre d'achat, mais on essaie de trouver des colocs, fait que là, il y a du monde qui visite à côté. Fait que... C'est le gars du câble, ça, qui nous a dit qu'il nous installait des chaînes. Fait que là, on a engagé des gens pour un peu regarder les affaires puis nous dire ce qu'il y avait d'intéressant. Ça se ligne direct là-dessus. Ouais. Là, ça, c'est notre sélection pour la journée. Ouais. On écoute ça toutes les jours. Vous parlez souvent de vouloir changer le monde dans vos textes. C'est-tu relié à la grisaille de l'an 2000? Non, mais en fait, au contraire, je pense que c'est de vaincre la grisaille par la grisaille, en fait. Je pense que c'est une espèce de théorie de... très simple, qui, si tu arrives à nommer les affaires qui vont pas bien, tu sais, déjà de nommer les choses, puis ne serait-ce que si, même si c'est bien personnel, si tu arrives à nommer les choses, une fois que tu as nommé les choses, puis que tu te rends compte aussi que tu n'es pas tout seul à vivre ces choses-là, ben une fois que toi tu vas mieux, il y a moyen que tu fasses du bien aussi autour de toi. Et donc, ça, c'est ma théorie personnelle. Mais c'est un plan quinquennal, là, c'est long, là, quand même. Allez, salut les gars! C'est Nicolas qui a patenté ça. C'est à la fois le studio d'enregistrement, la salle de montage pour les clips. Là, t'as toutes les rushs de la femme bionique qui sont ici. OK. Puis c'est aussi la salle d'assemblage des chansons, en fait. Okay. Parce que les textes sont vraiment... c'est vraiment comme des collages d'idées. Fait que moi, j'arrive... en fait, je parle pendant des heures. Puis après ça, on coupe là-dedans, on assemble ça, puis après ça, on rajoute la musique par-dessus. Ah ouais. Fait que là, ici, t'as... non, pas dans celle-là. Ouais, il y a celle-là ici. Okay. Fait que ça, c'est une nouvelle chanson, en fait. Je peux pas te l'ouvrir pour l'instant, mais là, j'ai à peu près 6 heures de matériel là-dessus. On va couper ça, on devrait faire un 3-4 minutes avec ça. OK. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est assez complexe, en fait, comme méthode. Qu'est-ce qui a commencé pour toi en premier? C'était-tu... faire du film, faire de la musique, c'est venu en même temps? Ah oh boy, ça a commencé... je pense que dans la vie, la musique est venue bien, bien avant, mais dans les choix de carrière, je te dirais, peut-être, ou dans l'orientation, le cinéma était peut-être une branche plus sérieuse et plus assumée, je te dirais. La musique, c'est beaucoup grâce à Joël, en fait, que j'ai recommencé à en faire. J'avais... presque arrêté, puis j'ai rencontré Joël et on a commencé à jouer ensemble, et soudainement,
Alors, soudainement, ils avaient booké un show. Fait qu'on a été... Puis d'ailleurs, c'était le groupe à Nicolas qu'on a joué en première partie de votre groupe. Les cinémas, qu'est-ce que ça en vient? Qu'est-ce que tu en fais les gars? Là, ben, le prochain est juste... Ben, merci les gars de cette super visite. Je vous laisse dans votre sous-sol. All right.